d'abord remercier les plus de 50 associations qui ont répondu, présentes aujourd'hui pour participer à ce forum ici à la Plaine de l'Aune. Donc vraiment merci, c'est derrière ces associations, c'est autant de bénévoles, de dirigeants, d'actrices et d'acteurs qui font vivre la solidarité au quotidien. Alors, sur le chemin du livre, cherche à promouvoir l'intérêt de la lecture à tout âge. Donc, du plus jeune âge jusqu'à la fin de vie, nous intervenons auprès de la jeunesse, nous intervenons aussi au niveau de la maternité, au niveau de la gériatrie, où on peut proposer des actions où on va simplement lire avec les personnes âgées pour rompre l'isolement social. Le tambour parlant, tous les jours, nous raconte l'histoire des hommes. Alors le tambour parlant veut vous raconter l'histoire de cet homme. Cet homme, il y a très 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 longtemps, cet homme qui estimait être le plus pauvre du monde. Dans le cadre de la fête de la vie associative à la ville de Star, on a proposé d'intervenir au conte musique. Et l'idée justement de ces contes, c'est apporter des histoires avec vraiment une morale derrière pour permettre aux gens de s'interroger sur leur quotidien, parce que les histoires qui nous ont été transmises hier doivent nous servir aujourd'hui, et nous devons aussi transmettre ça pour demain, parce que ce qui se passe justement dans ces contes-là, c'est des choses qu'on vit au quotidien, et derrière la morale de ces contes, c'est nous amener à réfléchir et à mieux appréhender la vie pour demain. Alors la section rugby, c'est une section qui est née en 1962 maintenant, qui est présente sur la ville depuis toutes ces années et qui a toujours accentué ses actions en direction d'un sport pour tous, accessible à tous et avec la volonté de permettre aux jeunes, aux plus jeunes, aux garçons, aux filles, de pouvoir pratiquer ce sport qui défend de belles valeurs. L'association Onlève Ça a pour objet de venir en aide aux milieux défavorisés. Donc on organise aussi bien des actions humanitaires comme des dons de vêtements, d'accessoires sportifs. Également, on investit beaucoup notre temps dans les quartiers pour pouvoir aider sur le sport santé ou tout simplement sur l'élévation des classes sociales. Et bien évidemment, la partie sportive, force athlétique, qui est notre spécialisation, mais pas seulement, aussi bien le pilates et l'éveil musculaire. Alors, on cherche des bénévoles. On a beaucoup d'actions et de sollicitations et on a besoin de personnes pour nous aider à promouvoir l'intérêt de la lecture. On cherche aussi des dons de livres pour pouvoir créer des bibliothèques dans le monde, dans des villages un peu isolés, aussi du matériel scolaire et loisirs créatifs. On a fait de très belles rencontres. Par exemple, quand on a joué tout à l'heure, il y a un percussionniste que l'on ne connaissait pas. Il a entendu la sonorité, les contes. Il est venu avec sa percu, il est monté et les gens pensaient qu'on faisait partie du même groupe alors que rien du tout. Et il y avait une harmonie de scène, donc voilà, c'est aussi ça, les forums. Le public était à l'écoute, ils étaient très demandeurs au niveau justement des informations sur le sport et ils avaient besoin d'être rassurés au niveau du pass sanitaire. Donc ils avaient l'air motivés pour reprendre rapidement une activité. La volonté d'être présente cette année, elle est légitime puisque avec la parade qu'on a traversée, il faut redonner l'envie et la volonté aux gens de faire du sport. Et donc on voulait simplement montrer que la section rugby est toujours présente. Alors le forum des associations s'est très très bien passé, on a eu de la chance, on a eu un excellent temps et surtout une cohésion au niveau des autres associations. Haba, haba, haba,